Pour François Fillon, la question des retraites a été tranchée en 2003. Eux n'en sont pas convaincus. 41 ans de cotisation, c'est inacceptable pour les confédérations syndicales qui réclament de véritables discussions avec le gouvernement. Nous, on pense obtenir l'ouverture de négociations sur la base d'un départ à la retraite à 60 ans, 75% du taux de remplacement. Il y a des dossiers aussi comme la pénibilité, l'âge anticipé de départ à la retraite pour les gens travaillant en poste. Et tout. Donc il y a un certain nombre de revendications qu'on peut obtenir, et y compris le financement par les patrons. Il va falloir qu'ils écoutent. Pour le moment, ils nous disent qu'ils ne changeront pas, mais on va arriver à les faire changer, parce qu'on ne va pas renoncer. Si aujourd'hui il ne suffit pas, on reviendra. Unis sur le fond, la défense des retraites, mais pas forcément sur la forme des négociations. Ensemble, dans la rue, ils sont tout de même allés porter leurs revendications au préfet qui a reçu une délégation des syndicats, excepté l'UNSA, en service syndical minimum.